Ah, voici le robot tondeur automatique. Voilà, c'est un robot qui tond les pelouses, mais vraiment quelques millimètres à chaque fois. Hein. C'est des petites lames à rasoir qui sont en dessous, hein, en guise de lame. Et ça a une autonomie de 6 heures hein, quand c'est neuf. Et ce robot, il est mis sur des fils qui entourent la pelouse, toute la pelouse, tout pour tour, un fil qui permet au robot de ne pas sortir de son périmètre. Et il se recharge sur une base automatiquement quand il est vide. Il va à sa base et il se recharge automatiquement. Et il fait ça toute la journée, 24 heures sur 24. Alors c'est un moyen d'entretenir une pelouse sans avoir les tondeuses classiques, vous savez, où on vide son panier, où on met de l'essence. Voilà, ce robot, il fait le travail tout seul. Alors c'est quand même un gros investissement au départ, mais au fur et à mesure du temps, hein, c'est rentable. Robot automatique, tondeur. Alors quand il se cogne sur un obstacle, il reprend sa route et il trace à chaque fois une ligne droite. Sur une surface comme celle-là, il a tracé des milliers de lignes droites, des milliers et des milliers de lignes droites. Ce qui fait en fin de compte qu'à chaque fois, il tond une petite parcelle, ce qui revient à entretenir sans cesse une pelouse et la laisser lisse, vraiment comme un tapis. Voilà. Le robot tondeur automatique. Voilà, il va sortir à l'arbuste, il va arriver sur le périmètre et un petit fil qui est enterré dans la terre, hein, lui permet de ne pas dépasser ce tour-là. Voilà, il fait demi-tour, il reprend une ligne droite dans un autre sens. Ah, sympa, hein, ce petit robot. Ah, monsieur, dame. Il revient, il a vu un obstacle. Alors pour ceci, il faut vraiment que le terrain soit préparé pour adapter le robot. Donc il y a quand même un gros travail au départ. Et ensuite, on laisse faire.